Business Reticulum. Ouais, mon ami H2O. Toi encore avec ton histoire de Laetitia. Ça fait 8 mois maintenant. Tu devrais l'oublier et passer à autre chose. Hein? Oublier Laetitia? Jamais. Je ne peux pas l'oublier. Une fille qu'on n'a même jamais vue. C'est normal que tu n'aies jamais vu. Qu'est-ce que tu as avec elle? Tu étais à Douala et tu as fait 2 ans là-bas, non? C'est pourquoi tu ne la connais pas. Et dis H2O. H2O. C'est elle que tu as dessiné comme ça sur le papier. Oui, c'est Laetitia. Comment tu es sûr que c'est elle alors que tu ne vois même pas? Toi-même là, tu ne sais même pas quoi ressemble vraiment cette Laetitia. C'est elle. C'est comme ça que je la vois dans ma tête. Ah, désolé. Il doit sûrement avoir un gros trou dans ta tête là. Ça ne me distrait plus. Il faut que je retrouve ma Laetitia. Tu veux quoi? Que ça est bien collé, non? Attends un peu. Tu vas où comme ça? Ah, je suis ton ami. Tu devrais m'écouter. Oublie cette Laetitia là. Rentrons à la maison. Christian, tu ne comprends pas? Hein, Christian? Cette fille m'a crêté. Elle m'a chromatisé. Je ne peux pas laisser ça. Qui te dit qu'elle est encore dans cette ville? Peut-être qu'elle n'est même plus au Cameroun. Même si elle est en Chine. Je vais la chercher. Mon ami H2O. H2O. Là, je pense à ton avenir. Tu devrais refaire ta vie. Oublie l'affaire de Laetitia là. Mon frère, je suis ton ami. Écoute-moi. Si elle ne t'écoute pas, je suis un bon gars. Fiche-moi le camp. Laetitia, maman. Ouais, tais-toi. Va, voilà, je t'ai dit.
Voici ma main ici. Ah. Tu as même soif comme ça. Rizia. Rizia, aide-moi. Aide-moi à retrouver ma Laetitia. Tu parles de quelle Laetitia? H2O. Voilà ta Laetitia, ta jolie Laetitia. Tu as dit que celui qui va retrouver ta go aura une forte récompense, non? Là, voilà. Touche-la même. Touche, touche. Touche bien, c'est elle. Jamais, c'est pas Laetitia. C'est pas elle. Comment tu sais que c'est pas elle alors que tu ne vois pas? Christian, tu dis que ce n'est pas elle. Ok. Quitte devant moi. Quitte devant moi. Quitte. Okay. C'est pas elle. H2O. Voici ta Laetitia qui est retrouvée. J'ai fait Douala, Kribi, Yaoundé. Rien que pour ta Laetitia. La voici, touche. La voici, il faut toucher, non, grand. Didier, vous sortez d'où? Du village? C'est pas mal que ça là-bas. Tu vois, non? Moi, j'arrange mon business pour mes dos. Toi, tu as mis encore une autre ringa. Pour faire quoi, non? C'est business. Ha, c'est moi qui gère mon business. Toi, tu me parles même de quoi? Il dit que H2O, toi, tu me fais marcher pour rien. Tu me fais chercher une Laetitia, ta Laetitia partout. Maintenant, il arrive devant toi, tu me dis que ce n'est pas Laetitia, comment? Ma Laetitia n'est pas laide comme ça. Elle est belle, jolie, charismatique. C'est la lumière. Pensez que vous pouvez m'arnaquer? Hein? Petit fils, dis-le-moi. Tout ça à coup de toi, si tu m'as... Christian, voici ma Laetitia. Où ça? Laetitia! 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 Christian, oh, arrête un peu! Arrête un peu! Monsieur, monsieur, il y a un problème. Monsieur, excusez-moi, excusez-moi. Laetitia! Fais-moi H2O ton amour! Tu connais ce monsieur? Non, pas du tout. Mais monsieur, j'ai l'impression que vous confondez les personnes. Hein. Jamais! Elle me connaît, on se connaît, c'est ma femme! C'est moi H2O! Hey, Laetitia, c'est toi qui m'as fait comme ça. Laetitia, oh. Laetitia, c'est toi qui m'as vidé les pochos. Laetitia, oh. Laetitia, c'est toi qui m'as fait comme ça. Laetitia, oh. Laetitia, c'est toi qui m'as vidé les pochos. Laetitia, oh. Oh, Laetitia, oh. 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 Laetitia, oh. Vous êtes sérieux là? Laetitia, na you do me so Laetitia. Laetitia, oh. Laetitia, now you chop my money, you oh no. Laetitia, oh. Oh, I give you moto, oh, you no camo. Laetitia, oh. You take my thing, oh, you no camo. Laetitia, oh. You chop all my money, you no sorry me, eh. Eh, aquara woman, oh. Laetitia, oh. Laetitia, oh. Laetitia, oh. Je dis à maman, tu as fait quoi, type, sinon? J'ai donné l'argent, oh, tu n'es pas venu. Laetitia, oh. J'ai donné ma fortune, oh, tu n'es pas venu. Laetitia, oh. Tu as pris même ma maison, oh, tu n'es pas venu. Laetitia, hey, oh. Laetitia, eh. Laetitia, oh. Oh, Laetitia, oh. Laetitia, oh. Oh, Laetitia, oh. Laetitia, oh. Laetitia, oh. Laetitia, oh. C'est, vous êtes sérieux là? Bien sûr que non. C'est un gros plaisantin. Tous les jours, elle vient, dit donne-moi la somme d'argent. Que j'utiliserai pendant la semaine. Je lui donne mon argent, le lendemain revient encore. Dis pardon doudou, la somme dont tu m'avais remis. Je devais de l'argent à une camarade et la réclamer, je lui ai remis. Je t'en prie doudou, encore un peu d'argent, je sors, je donne. Laetitia voit un vêtement sur sa soeur ou sur sa camarade. Elle viendra me dire, regarde le vêtement là sur ma soeur. C'est son époux qui a acheté, si tu aimerais que je vienne chez toi. Il faut d'abord acheter le mien, comme celui-là. Mensonge, tu es un gros menteur. Si c'est les vêtements de 50 000 euros, j'achèterai. Si c'est les vêtements de 100 000 euros, j'achèterai. Et
comme les vêtements des prostituées ne coûtent jamais moins cher. Oh. Lorsque Laetitia a constaté que je n'avais plus d'argent, elle m'a demandé de l'attendre dans moins de 3 jours. J'étais très fier de moi qu'en fin de compte ma biche viendra. Et j'attends 3 jours, je ne vois point Laetitia. J'attends ses mois chez moi et je ne vois point Laetitia. Voici aujourd'hui dans la rue que j'entends la voix d'une fille ressemblant à celle Laetitia. C'est ma chérie Laetitia. Je tiens ce gars, tu me connais ou regardez-le, c'est un aveugle, je ne le connais pas. Jamais, jamais Laetitia, tu me connais, on se connaît bien. Tu as pris mon argent et tu as même pris ma maison. Tu te dis ça. Tu as dit que tu m'aimes comme un prince. Et depuis ce jour-là, mon nom est devenu prince aimé. Et tu as dit que j'étais l'homme de tes rêves. L'homme des rêves de qui? Tu m'as bien regardé. Et tu sais, toi voilà, tu dis aux gens maintenant que je ne suis pas ton gars, que tu m'as jamais aimé. Pourtant, tu m'as promis qu'on devait faire, qu'on devait se marier, aller à Paris. À jamais je ne pourrai avoir un époux aveugle dans ma vie. Après avoir fini l'argent à Quaraouman. Vanessa, je veux que tu m'expliques ce qui se passe. Hein. De toute façon, ce type-ci, le fait que signer sur toi un gang-gang comme ça, là, ça commence vraiment à m'inquiéter. D'autant plus qu'il t'appelle Laetitia, il t'appelle Vanessa. Je veux que tu me dises la vérité, pardon. Tu t'appelles Laetitia ou Vanessa. Et je veux vraiment savoir si tu as mangé son argent. Laetitia, dis la vérité, le diable qui est derrière toi. On dit la vérité. Ok. La vérité, c'est que je ne le connais pas. Laetitia dit qu'elle ne me connaît pas. Je ne m'appelle pas Laetitia, je m'appelle Vanessa. Moi, je ne veux pas rester une seconde de plus ici, on s'en va. Allons-y. C'est ta maman, Laetitia. Oh, Laetitia, oh, Laetitia, oh, Laetitia, Laetitia, oh, Laetitia, oh, Laetitia, oh, maman, Laetitia, oh, Laetitia, oh, à deux os dit crayo, Laetitia dit la peau, à deux os dit sofa, Laetitia dit gado, if I dit no, si je savais, vient toujours trop tard, j'ai très mal, oh, j'ai très mal, oh, quelle déception. Quelle déception! Oh Laetitia! Monsieur l'inspecteur, arrêtez là! Ce n'est pas fini! Mademoiselle Viviane Isomba, je vous arrête! Eh ben, elle a encore fait quoi? Je l'arrête pour vol et escroquerie aggravée! Ouais! Ah, désolé, mais ça! Qu'est-ce qui se passe? Elle Monsieur Leblanc, expliquez-moi, elle a fait quoi exactement? Monsieur, il y a 2 ans, elle a vidé mon compte bancaire. Elle a vidé ma maison. Viviane, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Aujourd'hui, c'est mon jour. Tu es foutu. Tu vas finir ta vie en prison. Attendez, Viviane. Viviane, c'est encore qui? C'est elle, monsieur. Mère de Vanessa. Il n'y a même pas de cela 2 minutes. Celui-là, il a signé sur toi, il est en gangan. Que genre, tu l'avais suturé les poches. Et maintenant, le blanc se plaint que tu as vidé son compte et sa maison. Pardon, dis-moi exactement qui tu es. Tu t'appelles Laetitia, Vanessa ou bien Viviane. Je ne sais plus, tu t'appelles comment? Explique-moi. Dis-moi. T'appelles Viviane. Ce n'est plus Vanessa. Dans tous les cas, j'en ai par-dessus la tête. Moi, c'était bon, basta. Moi, je préfère partir. Pour nous, monsieur, bon. Il faut l'arrêter, vous avez entendu. Non. Voilà, oh, Laetitia. 99 jours pour Laetitia, 1 jour pour H2O. Tout le mal que vous faites dans ce monde, vous le payerez tôt ou tard. Ah oui, c'est ça. C'est le karma, ma belle Laetitia. Moi ça. Allez, bougez les pieds, et tournez le rein, et bas. Si bas. Tindende. Et bas. Tout le monde en position. La Wish Canada. Talonga. Mingisca.
you love me. Ah yeah, Laetitia, tell me that you are set up my money. Eh, hey, Laetitia, eh. Oh, Laetitia, oh. Oh, Laetitia, eh. Coucou la famille. C'est les parodies du BCC. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine. Et pour la semaine prochaine, nous vous réservons Yopé de Inosbi et Aveo Jest. Hey yeah! Si ça pétait, est-ce que vous avez humé? Hey yeah! H2O, Christian Tchangou, Laetitia Njassi. Lorsque Laetitia